qui live tranquillement, où on va tout simplement créer des petites peintures ensemble. Des peintures d'armes, comme vous pouvez voir, j'ai déjà deux peintures d'armes, la Asimov sur le sniper. D'ailleurs, j'ai pas fait les contours noirs de ce côté-là, donc je vais les faire juste après. C'est quand on va aller la finir. Ici, j'ai fait les contours noirs de ce côté-là, et pas sur le dessus. Alors, de ce côté, le problème, c'est que moi, les bandes noires, je les ai mis exactement bien comme il fallait. Et vous voyez, il y en a deux décalées. Il y a celle, l'avant-dernière de la crosse, et celle sur le garde-main. Vous voyez, c'est un peu décalé, donc c'est un peu chiant. Donc aujourd'hui, on va créer pas mal de trucs de peinture. Donc là, on va mettre Google Images parce que je vais avoir besoin de quelque chose sous les yeux pour m'aider. Je vais avoir besoin. Ce qu'on va faire des skins CSGO en fait. Donc je pense qu'on va essayer de faire un fade. Je sais pas ce que ça va donner. Google Images, donc on va voir si on peut faire le couteau. Corps à corps. J'ai le couteau tranché de base. Donc juste pour voir le couteau. On voit même pas en fait. Voilà, donc on va faire ça. Donc on va mettre 40 bits. Non, on va mettre Bayonette. Oh, CSGO. Bayonette fade. Alors, un beau fade, genre. Voilà, on voit bien. On voit pas très bien sur celle-là. Ah, oh, celle-là est beaucoup plus belle. Ouh, beau petit, voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, on a mis notre blanc, mais il ne fallait donc pas. Voilà. Il faut qu'il y ait encore un peu le noir du couteau. Donc, nous là, ce qu'on va. Non, moi, ce que je vais faire, c'est. Voilà ça. Nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est en gros deux carrés. Non, on peut pas faire fade en fait. Non, merde, je voulais pas faire ça. Vous savez quoi, on va servir de ça. Tac. Bon, on va imaginer que ça, c'est un morceau fade. Tac, donc imaginons qu'on mette ça. On peut pas le rendre plus foncé, plus clair à un endroit. Avec l'opacité. Mais en fait, avec l'opacité, c'est toute la couleur. On peut pas genre. Non, on peut pas faire de fade en fait. Voilà, faudrait que je mette là l'opacité à 85, que je remette un 82, 83, 84, 85, 86, et ça va être genre beaucoup trop chiant à faire. Donc non, ça va pas être possible de faire un fade. Tac, supprimer. En fait, je parle pas tout seul, je suis en stream. Bah t'as qu'à mute, t'as qu'à muter. Non, mais on peut pas faire le fade, ça fait un peu chier. Donc, ce qui fait qu'on va aller se faire un petit. Un Star Trek. On va essayer de voir un Star Trek. Donc, on va faire. En peinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la STG. Mec, tu sais, ça veut dire quoi, nique ta mère? Ça veut dire quoi, quoi? Bah, nique ta mère. Voilà. Les gens, ils cassent les couilles quand t'es en live. Donc on va mettre alors un skin qui soit pas trop galère à faire, parce que je débute vraiment dans tout ce qui est trucs comme ça pour faire des skins et tout. Ouh, il est super beau. Waouh. T'en peux pas mettre. Attendez, je vais mettre l'image en plus gros. Comme ça, je vais bien voir tous les détails. Oh, c'est cool parce qu'en plus, j'ai l'image en grand, c'est-à-dire en 720p, vous voyez. Genre vraiment bonne qualité et tout. Ah, oh, c'est super bien. Elle est trop belle.
Wow, elle est magnifique. Donc le truc, va pas falloir le mettre en blanc. Mais ils ont pas compris, je voulais changer la couleur, putain. Donc là, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un fond noir. Donc un fond noir. Donc là maintenant après la couleur, elle va être un peu bizarre. Alors c'est des triangles, c'est des morceaux de triangle. Donc là il va falloir qu'on trouve un triangle déjà de base. Voilà. Un beau petit triangle. Ah, par contre il est pas droit alors mais elle fait des trucs. Donc la couleur elle se rapproche. Ah c'est du rose bonbon un peu comme ça. Il y a du, c'est du rose plus en fait. Ah, la couleur est super spéciale, elle est super claire. Peut-être en baissant l'opacité. Non, en la montant plutôt. On va reprendre un rouge très foncé et la baisser l'opacité. Ah non, plus je la baisse, plus c'est foncé, je suis con. En fait, ce serait celui-là, mais en montant l'opacité un peu. Ah, mais avec le fond, ça fait trop noir, ça fait marron. Je l'ai trouvé. Voilà, c'est exactement celle-là. Et genre en fait. En fait, c'est genre. Que des triangles. Posés comme ça, mais genre. Collés les uns les autres. Mais genre, tu vois la séparation des triangles en fait. On va s'en mettre un là. Ça fait pas si beau que ça. Enfin, ça fait vraiment pas pareil que sur la photo. Non, en fait, j'arriverai pas non, à une modification. En fait, j'arriverai pas parce que il n'y a pas les mêmes couleurs en fait. C'est bien. Enfin, je vous mettrai le lien d'image au pire si vous voudrez, si vous voulez après. Et genre non, c'est waouh, c'est dur à faire. Parce qu'en fait, il y a, c'est bien ce que, je sais pas trop quoi faire comme peinture parce que c'est beaucoup du fade. Oh. La M1, la M4A1, Cyrex. Hop. Je vais zoomer si possible. Je vais zoomer le plus possible encore. Je pense avoir bien zoomé. Ok, donc c'est la M4, donc une arme qui ressemble à une M4 dans Call of Duty World War 2. Non, ce serait la barre. Ah, type 5, c'est pas ça, carabine. Oh, la carabine M2. Ultra Burst. La Ultra Burst, ouais, elle ressemble pas vraiment à une M4, mais comment dire. Il n'y a pas une très grande différence. Après, je l'ai pas. Après, peut-être dans les mitraillettes. Ah, bah non, je suis trop con. Regardez. Non, c'est dans les fusils. Tac, je prends la STG. Non, là, c'est encore bois et tout, ça va pas le faire. Vous savez quoi, pour l'instant, on va faire ma petite M4. On va pas mettre mort la poussière, parce que même si mort la poussière est très très jolie, ça va pas sûr avec ce que je vais faire, donc je vais prendre la M4. La M1A1 plutôt. De base. Ah oui, c'est cool, parce que je peux vraiment, genre,
bien la faire. Donc ça va partir sur un skin Asimov aussi. Mais un skin Asimov violet. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est genre... C'est genre beau. Enfin, ça devrait tuer sa mère après. Je sais pas trop comment ça peut donner. De toute façon, vous me direz. Hein. Mais je suis en live, au pire, tu me mutes et tu fermes ta gueule. Putain. Et bah, mute-moi alors au lieu de venir casser les couilles. Et alors, mute-moi. Mais nique ta grand-mère, allez. Ta gueule, je te dis niquer ta grand-mère, t'as pas compris ou je dois te le répéter? Nique ta grand-mère. Ouais, vous pouvez commencer à me casser les couilles. Petite putain, là. Je pense que ça devrait faire bien comme ça, vous voyez, j'ai mis genre plein de trucs et tout ça, ça devrait faire pas mal. Hop, on le met comme ça, tac, on le baisse. Wesh, tu galères. Ouais, je suis clairement en train de galérer en fait pour faire un skin. Ouais, t'inquiète, je sais, hein, je sais gros. Ah non, ça casse les couilles. Merde, je l'ai sauvegardé, mais oh là 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 là, je suis trop con. Non. En fait, je veux trop faire un beau skin, mais j'arrive pas. Parce que j'ai déjà deux skins en mode Asimov, ce qui fait que... Ah oui, bah d'ailleurs, j'avais dit de mettre les bandes noires sur celui-là. Parce que j'en ai mis genre aucune. Hop, on va l'agrandir. Lui que je viens d'insulter un gars, il m'a cassé les couilles. Il m'a trop fait le malin. Ah, peut-être que je vais bien faire des contours. Mais toi, tu comprends rien. Mute-moi si tu veux pas m'entendre parler. Pourquoi tu commences à galérer? T'as dit que ta mère au pire, je sais pas. Je suis désolé les gars, je suis désolé, d'habitude je me lave pas et tout pendant mes lives, mais là à un moment faut se foutre de ma gueule, le gars il galère au pire, il me mute et il ferme sa gueule quoi, c'est tout. Parce que le gars il a une voix un peu virée qui peut, il croit qu'il peut faire fou avec moi. Tu vas rien faire? Tu vas faire quoi? Ah bah en plus tu as la raison, elle a vraiment le cancer, mais ça je m'en bats les couilles. Y'a quoi maintenant? Au pire tu mutes et tu fermes ta gueule? Eh ben, tu sais, tu fais quoi? Tu sais, tu fais quoi? Tu viens, tu me mutes et tu fermes ta gueule. Espèce de clochard, va. T'es là, tu parles. Va trouver un travail, fils de pute, va. Tu touches le RSA, va. Ouais, bah, va trouver un meilleur travail parce qu'à mon avis, t'as pas l'air de te plaire. Hein. Qui veut te muter? Non, c'est un gars qui. C'est un gars, genre, en gros, il veut. Il casse les couilles depuis tout à l'heure, genre, il veut pas me muter alors qu'il a juste à me muter, en fait, y'a rien, mais. Les cassos de Call of Duty, la commune française, on a l'habitude. Ouais. Bon les gars, je reviens, je vais juste aller chercher un colis. Je reviens, à tout de suite.
peu les gars. Donc tac, on va finir notre petit AWAP. J'étais cherché un colis. Non, merde, attends. Voilà. En tout cas, ça m'a bien fait marrer l'autre con là, qui se met à s'énerver. Je vous jure, avec tout ce qui se passe dans le quartier Gira, je pourrais vraiment faire des petites putacliques de fils de pute. Bon allez les gars, je finis ça et je lance une petite game. Voilà. Je vais en laisser quelques-uns passer, ça fait un petit style comme ça. Hop. Dans 20 minutes j'arrive, on joue ensemble si tu veux. Ouais, vas-y. C'est quoi, attendez, je vais essayer de faire un petit AV. Hein. Attendez, hop. Ordre. Hop, j'ai gagné ça. Place dans la file 3, bon, manique sa mère, hein, je lance une game. Attendez, wesh, je suis en train de gagner des trucs, je comprends pas. C'est quoi, on va ouvrir le petit langage de réalité moins rare, comme ça au moins on est. On est plus que bien. Tu m'as appelé? Papa? Papa? Tu m'as appelé? Ok, donc bon, j'ai eu de la merde. Passe dans la file 2, bah y'a peut-être moyen que je fasse une petite petite avion, j'ai un peu envie d'en faire un. Ça va être fun comme ça. Hop, on va glitcher comme j'ai fait la dernière fois. Est-ce qu'on peut passer par là comme ça, genre tu sautes tac et t'arrives là-haut. Je l'ai fait tout à l'heure. Bon, j'arrive pas, c'est pas grave. Normalement la prochaine game c'est la mienne. Hop, je vous l'ai dit, la prochaine game c'était la mienne. À votre tour de bannière, donc moi personnellement je barille le jeu d'armes. Je bannis le jeu d'armes. Ok, cool. C'est le sniper. Bon, là il y a des lignes à tenir. Hein. Non, GG. Quoi, j'ai tiré avant lui, hein.
deux fois d'affilée le même putain de spawn. Bien joué, mais bon, deux fois d'affilée le même spawn, c'est bon quoi, à un moment. Ok, mais général, j'adore mes caméléons. Joueurs, jusqu'à 10 joueurs sur les cartes de taille moyenne et grande. Vas-y, on va tester ça. 18 participants sur ces trouvés, ça va, il y a du monde qui joue. Parce que les gens, vraiment, personne ne tape. On va se mettre un peu de musique pour dire de jouer. Vous avez l'habitude, à chaque fois que je live, je mets un peu de musique comme ça, moi, on est tranquille. On va jouer en infanterie. Merde, je vais me changer dans le cap, je suis con. T'as vu, j'arrive en jouant sans si tu veux. Qu'il y a quelqu'un. Bon, ça va aller. Hop. Putain, ça a du mal, hein. Ça a du mal à charger. On joue un peu avec la Gewehr. Parce que la Gewehr, c'est vraiment mon arme coup de cœur là actuellement. C'est quoi Sam? Je sais pas du tout. C'est un mode de jeu, je crois, où c'est caméléon et. C'est genre caméléon et truc en ligne. Genre, tu sais, tu peux jouer que en caméléon et en jeu d'arme. Je pensais pas qu'il m'aurait tiré dessus. Oh, il a la Risaka, ce fils de pute. Ok, ça campe. D'ailleurs, la Risaka, je l'ai bientôt, donc là, faut que je tryhard les trucs et tout ça. Je suis tombé dans une game de campeur et tout ça, c'est trop bien. On va juste désactiver le brouilleur et l'indicateur. On va le désactiver comme ça, au moins, genre, si j'arrive dans leur dos, ils vont pas le savoir. Putain, avec Putain, y a zéro recul, j'ai mis une poignée dessus et elle a... enfin, je crois que j'ai mis la poignée dessus hein. Attends, fais voir. Ouais, j'ai mis la poignée dessus, elle a plus aucun recul. C'est enfin, je veux dire, la Gewehr, c'est vraiment une arme monstrueuse quoi. J'ose même pas imaginer en hardcore. Je pensais qu'il était au sniper. Je pensais pas qu'un bâtard il se mette comme ça genre à l'air. Pour moi c'était une décale de snipe, c'est pour ça que j'ai voulu attendre. Oh, avec sa Lewis lui par contre. Il me casse les couilles. Par contre c'est vrai, c'est des grandes équipes hein, putain. Ça c'est un truc quand t'es vraiment comment dire, des tryhards de... Des tryhards à fond, y a moyen de se réveiller dans le moment de kill. Hein. Wow, putain, j'ai failli die par ma propre putain de grenade quoi. Voilà, faut que les spawns y changent alors que je viens de spawn. J'ai jamais vu ça. Un spawn changer alors que tu viens à peine de spawn dedans. Ah non, on peut pas wallbang avec ça. Il a pris la décale GG. Ouh, un lucky Fidonen. Il est bon, faut que j'arrive à le tuer. Un mec, je sais pas quoi, faut que j'arrive à le ken. Parce que si j'arrive à le tuer, j'arrive à récupérer son... Non. C'est un allié.
J'ai même pas eu le temps de tirer. Je pense que c'est un bon petit moment pour aller snipe ça. Par contre, c'est vrai qu'ils ont clairement le dessus sur nous. Je tombe toujours dans les équipes où on se fait péter le cul, je comprends pas. Chasseur allié ? Ouais, allié. La petite double kill. Mal monstrueux cette arme. Merde, j'avais la Risaka en plus, je voulais le prendre. Ah, le rubis des bons. Je crois pas que je vais faire la deuxième game. Hein. 7-10, non. Non, j'aime pas ce mode de jeu là. Enfin, j'aime pas ce mode de jeu, simplement. Enfin, là, c'est de la. Enfin, c'est le nombre de jours en fait, c'est injouable. Oh putain! J'arriverai jamais à choper son sniper. Hein. Jamais, putain. Non, y a pas de retour à la partie. Moi, c'est je quitte et je joue pas. C'est clair et net, je joue pas dans ce mode de jeu. J'aime pas la domination, c'est un bon mode de jeu, mais quand tu joues à plusieurs, en fait, tout seul, la demi, c'est. Oh. Je vais refaire mes classes, je vais bouger le car 98. Enfin, je vais bouger ce putain de viseur. Et il faut que je me fasse. Faut que je me passe plus de plus. Le gamer, je vais le mettre en infanterie parce qu'il faut que je montre mon niveau en classe d'infanterie de ouf. Ah bah le gros calibre serait pas mal. Faut que j'arrête d'avoir plein de classes de la même truc à chaque fois. Donc là, je vais mettre de la résistance. Ici, je vais mettre donc ma MP40 avec mon sinon avec mon charge 24. Mon ah mais non, si on peut plus le mettre. Tac. Donc là, j'ai 3 infanteries. Il va falloir que j'en gère un. Donc toi, tu dégages. Je vais mettre un corps expéditionnaire avec un fusil à pompe. Elle est pas mal comme ça. Même les munitions incendiaires, maintenant faut les débloquer. Après, faut qu'ils soient niveau 8. Niveau 8, je veux dire, ça va pas être compliqué. Je fais de la mêlée générale et. Vous savez quoi ce qu'on va faire? On va faire. Attendez. Faut que je regarde dans mes ordres ce que j'ai à faire. Remporter 30 parties, ok. Terminer 35 parties de match à mort par équipe. J'ai 11 jours pour faire ça. Faites 250 éliminations sur une carte. Ça fait super longtemps que je l'ai. J'ai fait que 20 éliminations sur une carte d'hiver. Ardennes, Forest, Vistavlin, avec la division expéditionnaire. Faites 10 éliminations avec un silencieux en étant dans la division aéroportée. Terminez une partie de points stratégiques à ratio élimination mort positif. Faites 10 missions à la baïonnette en guerre terrestre. Et les hebdomadaires, terminez 3 ordres hebdomadaires pour recevoir un gage de raid témoin. Ordre hebdomadaire accompli 1 sur 3. Terminez 6 ordres quotidiens pour recevoir un gage de raid témoin.
non, opération esquisse, ça c'est d'accord, c'est le pack du DLC. En tout cas, on va aller en mêlée générale. Parce que mêlée générale, souvent des petites maps. Et pour le pompe, ça va pas être trop compliqué, comme ça on va le monter niveau 8. Enfin, on va essayer de monter notre pompe en or, tiens. Yo. Ça T'es va chaud quoi? là ou on se fait des parties ensemble? Ah vas-y bah je finis ma game et on se fait une game. Si. Enfà je finis ma game, on se fait des games plutôt. Gros par contre faudra que... Est-ce que tu connais genre des modes de jeu où genre c'est que des maps toutes petites? C'est vraiment que des maps close combat et tout, genre Flak Tower où il y a vraiment... Y a un moment ils avaient sorti ça, c'était juste je sais même genre tout le temps t'avais que cette map. Et c'était un mode temporaire. Donc là non maintenant il n'y a plus ça. Merde. Parce que faut que je monte mon pompe niveau 3, enfin niveau 8, pardon. Pas vrai qu'à 70. Bah même pas en fait pour l'avoir niveau max, parce que je vais essayer d'avoir toutes mes armes en niveau max. Il a aucune putain de portée ce pompe. En hardcore, putain, t'es con toi aussi. Mais non, mais il a pas de portée, c'est-à-dire que j'ai même pas réussi à le toucher. Quand je te parle de pas de portée, c'est genre pas touché même. Ah, ma manette elle vient de se prendre une sale manchette par contre. Je te disais, ça a coupé. Je te disais. Mais ta grand-mère! Pas toi. Hein. Oh! Putain, je me fais spawn kill, c'est quoi ça? Je me Tchou. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as vu ce qu'il y a au défi? Ah non. C'est quoi? Oh C'est quoi? 4 sur 5 cases sont multiples, c'est-à-dire si tu fais une double élimination, ça compte avec une mitraillette et que tu mets un silencieux. Ouh là là, je vais faire ce défi moi. Non, moi j'ai pas le silencieux, fais chier. Non, mais si on fout. Il y a quoi en. Merde. Ouais, heureux. Non, mais attends, ça a coupé, j'ai pas entendu du tout ce que t'as dit. Ouais, Kaiso. Ouais, c'est un pote à moi, le vire pas. C'est un bon pote à moi. Non, il y a ma play chez, à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, à côté de moi plutôt. Ouais, ce bruit, c'est ma play, ouais. Ah ouais, j'ai un meilleur micro maintenant, ce qui fait que ben, t'entends beaucoup le son de ma console. Je suis bien. Oh bah, je vous ai pas demandé vos avis déjà, bande d'enfoirés. Comment c'est parti? Il a. Oh. Mais le Walter automatique là, il a aucune portée! Mais oui, c'est niveau encore! Mais non, Mais mais dans genre, les j'arrive pas temps! à le toucher, j'arrive même pas à toucher le mec. C'est normal! Moi, c'est bon, j'ai dû galérer un peu dans le diamant. C'est fait, hein. T'as dit, je suis en mort. Dans l'hardcore, mais je je déteste l'hardcore. Ah, moi aussi, mais au moins c'est facile de monter des armes en or. Ah, c'est chier, chier. Quoi? Est-ce que tu peux reculer ta PS4 et ton micro? Ma PS4 elle est déjà à 1 mètre de moi, gros. Mon câble il fait que 1 mètre. Bah, si, c'est juste que le micro il est genre vraiment performant.
Bah t'as qu'à mettre le son dans ton micro aussi là, au lieu de la mettre dans ta télé là. Attends, what? Les services Call of Duty sont indisponibles, hein? Vas-y, bah je vous rejoins. Bah au pire, je vais tous vous rejoindre, les gars. Au pire, tout le monde rejoint David, tout le monde rejoint Kylian. Ouais, je vais avec qui, tu sais. Bah Kylian, si moi je m'appelle pas Kylian, à ton avis, Kylian, c'est qui, trou du cul? Con. C'est t'es con. Bien sûr, je vais rejoindre. Mais en fait, tu es déjà là. Tu es quoi? MME. Non, attends, oui. Mais c'est quoi ce film? Je sais pas, c'est quoi Sam? Vas-y, on fait MME après, on repart. Ouais, moi, faut que je monte le. Eh, hey, mets du hardcore. Comme ça, faut que je fasse le. Faut que je fasse le pompe. Non, faut que je fasse le pompe, désolé. Hardcore ou quoi? Hardcore. Un conseil, je vais ce que faire mieux, ce que sera plus facile pour toi. Genre le mec il va sur la plaque, toi t'es au pompe. Bah tu t'en. Oh bah c'est parfait pour toi le pompe là. Là tu joues au pompe, c'est bon, tu les massacres. Bah je vais jouer au pompe. Ah non mais là t'as 100% de faire un massacre là. Ils sont si bien et en plus en hardcore. Mais bon là t'es au calme. J'ai le Walter. J'ai le Walter auto. Bah je dois monter en hardcore, putain c'est un tirallier ça? Ouais c'est un tirallier. Double une balle gros. Mec c'est un massacre. J'ai dit c'est bien hardcore, tu me prends pas en plus. Après c'est vrai que c'est quand même genre totalement pute de jouer en hardcore mais... Encore un tirallier. Les gars par contre les tirailliers c'est ça le plus chiant. What? Oh les alliés qui te tirent dessus, il m'a mis genre super low l'allié. Bah heureusement il m'a pas tué, c'est un ami. Je vais laver. Genre fort tu vois. Mais putain mais c'est pas possible. Oh ça joue à la bêtise. Ah non c'est pas une bêtise, j'ai peur. J'allais dire non mais dis pas ça joue à la bêtise. Ça joue à la bêtise ouais, putain. Oh non, ils sont pas poussés. Bah, casse-toi ensemble, vas-y, si tu veux nous lâcher, lâche-nous. Hein. Mais pourquoi tu mets devant, t'es con? Mais femelle! Je spawn, je meurs! Tu veux mourir, toi? Les mecs, ils bon pendant que. Mais mec, je spawn, je meurs! Ah non, c'est pareil. Ils campent en plus, non, ils campent. Mais non, mais les gens ils utilisent des streaks mortels en hardcore. Ils sont cons, non? Mais ils sont super cons. Non, mais femelle, tu veux pas me sauver des fois la vie? Enfin, je sais pas, le gars il est là en train de tenir une ligne, mais j'ai le temps de mourir 20 fois. C'est injouable. Oh là. Je fais le. Non, mais en gros. Mais c'est un allié. Sorry. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un ennemi qui avait spawn derrière moi. Putain, j'ai flippé ma race. Mec, j'ai même pas le temps de tirer. Oh, cool, ma. Mais alors, ça, c'était un ennemi, ça, par contre. Mais regarde, je me prends les grenades de l'autre. Gros, mais derrière toi, gros, ils arrivent. What?
Quoi? Prends un acté. Pardon? Mais voilà, les services Call of Duty étaient disponibles. Pourquoi il a quitté Callisto? Non, mais j'avais pas compris, gros. Mec, pourquoi Callisto il a quitté? Parce que ton micro est plein de merde. C'est pour ça? Bah oui, il a compris. Il veut jouer comme ça. Bah d'accord, tu sais quoi, la tête de ma mère, j'enlève deux, mes amis. Bon, bah. Mais non, mais il casse les couilles. Son micro, il pue la merde. H24, c'est la première fois que je voulais rejouer une game. Son micro, il pue pas la merde. Et nous, on lui dit rien. Et lui, il vient faire de manière comme ça. Bah, il a niqué sa mère. Allez. Je sais que tu veux. Je m'en bats les couilles de toute façon. C'est un vieux PD, wesh. T'as un pote que tu connais en réel? Même pas, non. C'est un gars, je le connais depuis longtemps. Avant, s'il te plaît, il avait des écouteurs. Ces écouteurs, ils grésillaient, on disait rien. Ça nous pétait les oreilles, on disait rien, tu sais. Et lui, il vient, il fait des manières comme ça. Bah, nique ta mère, allez. Par contre, les trucs de service PlayStation qui déconnent, ça commence à casser les couilles. Hein. Moi, ça me l'a pas fait. Bah, moi, ça me l'a fait, hein. Ah, mon gars. Non. Quoi? Bah j'ai remarqué que j'ai fait que 5 tirs tête avec la FG42, mais j'ai fait 10 000 kills avec. 10 000 kills mais c'est seulement 5 tirs tête. T'es là pas. 2000 kills avec, mais j'ai fait 5 tirs. C'est nul. Bah j'aimerais bien la mettre en or, tu vois. Tu vois le gars qui n'a jamais visé la tête de toute sa vie. Ah, c'est ce jeu, je suis mal. Franchement. Alors, d'habitude, tu peux visiter. Vas-y, coupe ta musique. Bah, gros, je suis en live, wesh. Faut bien que le live il. Faut entendre la musique ou le mon aspirateur? Ah, oui. Ouais. Non, mais j'ai juste. Tu préfères entendre mon aspirateur ou ma musique? Ah, c'est bon, je pense que je l'ai one shot d'hyper loin. Y'a qui dans ton live? Je sais pas. Depuis tout à l'heure je suis dessus mais voilà. Y'a personne. Bah, y'a pas besoin d'avoir quelqu'un, y'a la rediffusion, tu sais. Ouais. Attends, t'es où la femelle? What? Ah bah y'a quelqu'un. Turbo, ta gueule, t'es moche. D'accord, ça part sur un ban. Non, je rigole. D'accord. Je me suis fait baiser là, par contre. Oh, cruel copain, l'appétit. Oui, t'inquiète pas, j'ai remarqué ça. Hein. Je cherche son pont. Ah, mais je suis contre toi. Comment ça, t'es contre moi? Mais oui, t'es contre moi. C'est un bâtard depuis tout à l'heure. Ah oui, depuis tout à l'heure je t'enculé au pompe en plus. Ouais. C'est... Dis-toi, je joue à la grenade et tout ça. Je sors sur le pompe aussi. Je me suis pas. Bah vas-y, t'es où? Moi je suis vers votre spawn. Ouais. Ouais. Tu vois, je viens de niquer un gars de votre équipe pile au moment où il a spawn. J'aurais la spawn devant moi, le pauvre. Je l'ai tué deux fois. Oh, fusil à canon scié. Et d'ailleurs, le fusil à canon scié, on le débloque comment? Mais quoi? Le fusil à canon scié, on le débloque comment? Moi aussi, je sais pas, c'est... tu débloques... comment ça s'appelle? Tu vois la division expéditionnaire? Ouais. Bah, faut que tu soignes plus haut. GG. Prestige 2 ou 3. Y'a pas de choix à débloquer. GG, tu viens de me mettre une belle balle, bâtard. Grenade. 10 médailles, une balle à mort. Oh, bâtard! Tu m'as fait peur. C'est... T'as commencé le live plus tôt.
Ouais, je l'ai commencé un peu plus tôt. Je me suis dit que ça ferait plaisir à mes fans. Ça, c'était moi. Ah, j'arrive. Oh, what? Quoi tu vide? J'ai fait de quoi tu vide sur toi, gros. Attends, mais pourquoi? Tu fais ton défi. Ah ouais, putain, la grosse quoi de suite sa mère. Allez, je rigole, c'est toi. Mis... Hey. Merde, c'est pas toi. Tu mets une balle de... Mec, dis-toi, j'ai tiré 3 balles. Hein. J'en ai tué 4. Ah oui, je t'ai dit, c'est bien encore, il est bien. Oula. Ah, ok. J'ai fait une quoi de suite sur toi, gros. Mais j'ai... Mais vous... Oh c'est violent. Mais gros, je te promets en plus, dis-toi, je vous ai pas vu. Hein. Moi, au début, je t'ai vu que toi. J'ai tiré, j'en ai tué 2, 3. Je joue canoncier. Il est bien, mais voilà, il y a que des balles. Fan game ? Ah non. Putain, moi, j'ai vu la map disparaître. Je me suis dit fan game parce que tu sais, il y a le bug. Genre, quand la game elle termine, la map elle disparaît. Moi, vu que tu vas en train. Ok. Quoi ? T'as entendu ou pas ? Non, là, je pense pas. Je suis en train et t'as un petit game. Bah vas-y, tu viens sur Fortnite quoi. Ouais non, quoi que j'ai pas envie d'aller sur Fortnite. Vas-y, bah viens, on va prendre hardcore au pire, c'est pas grave. Viens, on va prendre hardcore, c'est pas grave. Vas-y. Ça te dérange pas. Bah si, ça te dérange si tu vas aller en hardcore. Ça te dérange si je suis hardcore. Bah moi, l'hardcore, c'était juste toi qui m'as dit que c'était plus simple. Moi, en vrai, de base, je pensais même pas aller au hardcore. T'es sûr que c'est plus simple hardcore? Bah il fait sale des dégâts aussi le pompe. Tu mets une balle de pompe, le mec il est automatiquement mort. Ah par contre la belle quad fig que je t'ai mis là, bah bah, 2 balles hein, bah, bah, fini. Bah heureusement, oh voilà, victoire 22-11. Mais c'est un massacre. Bah viens, on joue aux pompes aussi, mais genre quand on est dans la même équipe, y'a moyen de faire un massacre, on en fait une dernière. Regarde ça. Regarde, hein. Alors ça c'est ton pote, toi, ton autre pote. Ça fait une fois chacun se fait. Toi, ton pote, ton autre pote. Il est fou cet enfant. Bon par contre, tu peux pas jouer genre encore longtemps parce que c'est à la crêperie. T'as quoi? C'est à la crêperie. Crêperie? What is that? C'est un restaurant, tu manges des crêpes salées, c'est fou. Ah, tu vas manger là-bas? Ouais. D'accord. Bon, les petites dernières games en hardcore, viens, on joue tous les deux aux pompes. Bah, ce que j'ai fait. Ouais, mais dans la même équipe. Ouais, faut qu'on quitte et qu'on... Alors, vas-y, rejoins-moi. Ouais, je te rejoins par la partie. Tu live jusqu'à quelle heure? Je live jusqu'à bien 1h, 2h du matin. Sérieux? Ouais. Alors, t'as de la chance, moi je suis pas là. Bah, attends, en même temps, c'est normal, t'as cours bientôt. Moi, j'ai encore une semaine de vacances. Mais même quand je suis en vacances, c'est pas, je sais pas. Bah, ouais. Je me suis rendu à la télé. T'as des parents chiants. Je t'ai rejoint là ou pas? Ah, ouais, 2 sur 2, c'est bon. Attends, je vais faire ma classe. J'ai trop envie de mettre genre tir rapide et tout, mais je peux pas. Oh, améliore la précision au tir au jugé. Vas-y, je vais mettre visée solide. En secondaire, je vais mettre la pire arme de toute la terre entière. Les pistoleros. Quoi? Les pistoleros. C'est quoi ça, pistolero? Attends, je regarde. Tirer en sprintant et plongeant. Ah oui. Au fond, c'est bien ça. Bah ouais. Oh, tu sais quoi, en arme secondaire, je vais mettre quoi hein? Je vais mettre gros calibre. Je vais mettre des balles dans la tête et tout. Grenade à gaz, parce que quand on joue pute jusqu'au bout. Et on met des mines, hein. Parce qu'on joue jusqu'au pute. On joue pute jusqu'au bout. Non, je rigole. De toute façon, j'utilise pas mes trucs. T'as que c'est bon, moi je suis prêt. Non. Tu feras d'autres jeux. Je sais pas. Peut-être. Allez vite fait sur Fortnite plus tard dans la soirée. Sinon je crois pas. Par contre juste à me chercher à manger, j'ai faim.
De quoi? Il me manque 2000 clés d'armerie et j'étais bloqué. Varante Hydré, le type 38, le New Snipe. Ah, mais je le veux, lui, dans les accords. Moi, j'ai essayé. Il est trop bien. Il est pas mal. Mais, voilà. Mais le viseur est un peu chelou. Ouais, il est un peu chelou, ça. Bah, le Madness. Ouais. Non. C'est rejoint nous. Si ça nous dérange en fait. Bah. Sans lui, il y a. Je te baise, Madness. C'est de l'amour. T'inquiète, on fait pareil. T'as vraiment la petite salope. T'as viré pour même tu... pas. T'es pas ou quoi? Vas-y, tu te souviens de Six Zella? Non. Oh le bâtard, il a lancé une game. Un bâtard. Oh bah tiens, regarde la map. Oh shipment. Oh ça va être un massacre aux pompes. T'as vraiment de la chance. Bah trop tard, la game elle est lancée. T'inquiète, ça va durer 5 minutes maximum. Gros dis-toi, on est en élimination confirmée hardcore sur une map hyper petite et aux pompes. Ah bon, ok. Ça va aller, c'est bon. Trahir ou pas trahir, nous de toute façon, gros, on joue pour le fun. On rigole, on joue pas pour le fun, on joue pour baiser des mères. Regarde le mec derrière. Merde, mais je fais baiser. What? Arrête s'il te plaît, me tuer. Ouais, je me suis mis dans l'église, ce mec. Oh là là, la doublette. Bonjour. Quoi? Mais encore le bug de service PlayStation invalide. Mais what? Hein? Moi, attends. J'y vais. T'as quitté la game? Ouais, j'ai dit, je vais manger à la crêperie. Mais ça m'a fait quitter aussi. Ah, j'étais en massacre. Oh. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Bah, vas-y, rejoins-moi, Manès. Moi, je peux jouer tout seul. La pute, je sais pas. Bon, allez, vas-y. Ah, merde, mais vu qu'il a quitté, maintenant, ça nous a tous fait quitter. Ça va mon petit Madness? Je suis en live. Prestige 2 ou 1, je sais plus. Prestige 1, ouais. Moi je te dis, je sais pas. Attends, Kitsu. Non, c'est bon. Je suis devenu le chef du groupe. Donc attends, on va aller dans hardcore. Élimination confirmée. Je lance du hardcore parce que je dois faire mes pompes en or. Et en diamant. Mais gros, c'est bon. T'as qu'à jouer pompe aussi en hardcore. Hein. C'est un film de cul. Bah, moi, faut bien que je les monte en or. Hein, donc.
Bah moi aussi je joue beaucoup à la STG, bah je joue même qu'à la STG et à la PPSH. C'est juste que faut que je monte mes pompes en or, donc je voulais pas dire Nolan. Manest, beast. La petite, beat. Bah trop petite. Vas-y, va de top secret. S'il te plaît, va de top secret. Mec, je suis... Ah bah non, quoi, c'est vrai. Ouais, merci. Ça lance dans 34 secondes. Ton personnage, il est moche. Bah, ton personnage. Lequel? Bah, le tien. Il est moche. Avec ses lunettes, là, on dirait un pédophile. Bon, t'es prêt à... J'allais dire, t'es prêt à faire top 1. Est-ce que tu es prêt à défoncer des mères, plutôt? Les gros tueurs, ça fait un bail qu'on n'a pas... Quoi? Non, non, défoncer des mères, j'ai dit, fils de pute, pas ma mère. Tu vas te faire ban, tu vas pas comprendre. Mais Manès, j'ai un petit cadeau. Manès, j'ai un cadeau pour toi. Kaboum. Je t'ai envoyé une saleté dès le début. D'accord, il m'a dit que pistolet, le bâtard. Il m'a fait peur. Cet enfant de Jéhovah m'a fait peur. Ferme ta gueule. Tu vas faire quoi? Je vais niquer un allié en plus. Bah oui. Franchement, elle est pas mal. Les joueurs, c'est pas des putes. Ils mettent pas des bêtises alors qu'on est en hardcore. La menace. Boum. Je suis fier de moi. Non. Oh oui. Oh non, j'ai cru que tu t'étais mangé ma grenade de gaz et genre t'étais mort. Ah bah non, mais là en fait si je tue encore un allié, je suis ban. J'ai envie de... Madness. Oh, comment je te l'ai volé. Moi, je vois de la virginité de ta sœur. Si tu me tues, t'es exclu. Tu veux foutre ta game en l'air. D'accord. J'ai cru que c'était moi qui t'avais tué, j'ai eu trop peur. Parce que genre je t'ai tiré dessus au même moment t'es mort. Et j'ai trop cru que c'était moi. Je vais dire non. Je vais dire non, c'est pas moi. C'est un malentendu. J'ai cru que c'était toi qui m'avais tué. Putain, mais c'est un allié. Madness, ça te fait un écran noir toi aussi? J'ai été exclu. Un allié m'a tué, je me suis vengé, je lui ai envoyé une sale tête.
Gros, dis-toi, il y a un allié, il a commencé à me tirer dessus dans le dos, il m'a tué. Je me suis retourné, je l'ai vu, j'ai fait wouah! J'ai envoyé une sale tête, vas-y, rejoins-moi. On va aller en hardcore. Tu me pètes les couilles. Rejoins-moi par la partie de chat. Mais si tu peux, regarde, même moi je peux. T'es un trou. Vas-y, lance du zombie. Et moi j'ai encore faim, putain. Ah merde, j'ai été exclu pour une activité. Vas-y, quitte. Quitte et rejoins-moi. Tu vas mourir. T'es mort en 24. Bon, je m'en doutais. Vas-y, rejoins-moi. Je te baise. Oh.
Non, tu me rejoins. Tu me rejoins par la partie de chat. Arrête de mentir parce que je peux te rejoindre moi. Bah tu sais quoi, tu peux pas me rejoindre. Bah moi je vais t'inviter alors. Hop voilà, je t'ai invité. T'avais dit que t'avais pas reçu, espèce de fils de pute. Chat, tu pouvais me rejoindre. Mais... Bah si. La vie, la... Wesh, tous les dislikes. Il y a pas de dislike. Il y a pas de dislike sur mon live. Quoi? Non. Bah non, vu qu'il y a pas de copyright, t'es con, je le fais exprès. Merde. J'en ai deux. Regarde. Bah non, moi j'en vois zéro. Oh, salut Cerise, j'avais même pas vu que t'étais là. Pourquoi? Comment ça t'es banni? T'es ban? Bah voilà, bah fais attention. Bon t'inquiète, c'est qu'un ennemi, c'est qu'un alien. Oh je l'ai tué. Tu as l'allié que t'as tué, Bargar. Oh merde, par contre je crois... Ah non, j'ai cru qu'il s'était vengé, mais non. L'allié se met devant moi, je peux pas tirer. Je suis en train de manger un croque monsieur là, je suis en train de me réveiller. Ta gueule. Bon app, lol. Merci Cerise. Oh ma nièce, sale bâtard. Comment ça se fait, tu appuies sur mes lives? Là, ça a mis un B au lieu d'un S sur ton Twitter. Ah bon? Ah ouais, merde. Je dis, comment ça se fait que tu appuies sur mes lives, toi, espèce de fils de pute? Si t'es déjà allé sur mes lives. Mais t'es déjà allé sur mes lives, mais dis pas que t'es jamais allé. Allez, branle-toi sur moi aussi. Putain, mais... Branle-toi sur moi, c'est une expression, c'est genre en mode tu te fous de ma gueule, t'es contre quoi? Je vais baiser ta mère, Manès. Je vais la prendre. Je vais la soulever très haut dans les airs. Ouais, je veux bien qu'on se tape.
Je suis niveau 34, t'es niveau 34, sauf qu'on a un prestige de décalage. Ta gueule, je dois jouer avec mes pompes. Je dois jouer aux pompes. Je t'emmerde. Madness, c'est bizarre. Bah si, je parle toujours à Cyril. Oui, je t'aime. Mec, ta gueule. J'ai dit ta gueule. C'est même pas moi. Mais te mets pas en face de moi. Si en plus c'est même pas moi qui t'a buté. Fils de pute. Tu t'es fait tuer par quelqu'un d'autre. Et PK il parle plus Cyril. Il est bizarre. Eh hey, Madness. Non en fait je voulais dropper un truc mais. Je vais te lâcher une punchline mais. On se fait spawn kill. Un plaisir le mode hardcore. Eh hey, Madness, t'es où là? T'es où Madness? Putain je crois que c'était toi qui me tirais dessus, j'allais dire fils de... Eh hey, Madness, 3, 2, 1, surprise! Merde, on s'est fait. Voilà, j'ai tiré. Je t'ai mis des dégâts avec ma truc. Non, non, tu peux pas mourir avec. Alors, ça fait quoi de se sentir con, mais mets-toi contre le mur. Mets-toi contre le mur. C'était trop tentant, fallait que je te la jette. Tu m'as dit t'arrives même pas à m'en jeter, j'étais en mode oh faut que je mette une, faut que j'en mette une, faut que j'en mette une. Tu me rejoins, je m'en bats les couilles, je t'invite pas. Je pose mes couilles sur la table là comme ça. Je te démerde, tu me rejoins. Bon allez vas-y par contre tu lances n'importe quel mode que tu veux, t'es pas obligé de mettre de l'hardcore. Non je déconne, tu mets de l'hardcore. Non mais je rigole, tu mets pas de l'hardcore.
D'accord. Tu sais qu'on est... On est ni sur Fortnite. Quoi? Bah ouais. C'est vrai, on est sur World 2? Ah merde, je pensais que c'était la vue première personne de Fortnite, moi, qui avait été enfin mise. Ah merde. Bon bah... On va niquer la mère. Arrête de me tirer dessus, ça m'excite. Mec, en pleine tête à 2 mètres, j'arrive même pas à le one shot. Je suis obligé de lui mettre 2 balles. Bah alors Manesse, on fait du... On fait un score de merde. T'as envie de là Manesse, tu rec? Ok bah les gars, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, ma chaîne c'est Alpha Shinobi, je suis en live tous les jours sur Fortnite, Call of Duty et Battlefield. Voilà, je viens de faire ma petite pub comme une petite salope. Bon après t'as dit on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, ça, et après tu m'as fait ah bah on n'est pas sur Fortnite en fait. C'était juste... Ouais tu m'as trollé, t'as fait semblant de faire une vidéo. Quel troll de qualité. Ça, il pue la merde ton troll gros. Mec, je viens d'envoyer un sale tornade. Hein. Le gars me tire dessus, j'ai plus de vie, genre tu vois, je vois tout en noir et blanc. Tu vois, ça veut dire j'aurais 13 ou 2 PV, pas plus. Le gars, je fais quoi? Je sors mon pistolet, je le termine le pistolet, frère. Tellement j'ai pas de respect pour lui. La MP40, elle est genre surcheatée. Hein. Quoi, trouve pas que la MP40, elle est genre surpuissante. Clap chez drone. Non, elle est grave puissante la MP40, franchement. Ouais, il m'a mis un tourne-pompe. T'as de... J'ai failli mettre un... Mais arrête de gueuler, s'il te plaît. Moi, si je meurs, mais gueule pas. J'ai besoin de me concentrer, j'ai envie de faire des bons gameplays, là. Mais moi, depuis tout à l'heure, je suis avec la MP40, gros. Elle est genre surcheatée. C'est l'arme du chétan en lui-même. Sur la MP40, il n'y a pas marqué MP40, il y a marqué Chétan 40. Je vais juste attendre la vite fait. Et pour ceux qui diraient que je campe, je ne campe pas, je temporise. Hein. Je savais qu'ils allaient arriver. Tu fais un bon score ou pas? 18, j'ai fait du 13-9. Putain, j'ai pas réussi à parler. Regarde ça. Regarde cette action de ouf. Regarde ça. Je fais quoi? Pas, je le respecte pas. Pistolet gros, jump shot. Violence ou pas violence? Je sais même pas si on entend bien la musique. Attends, je vais peut-être la monter un peu. Bon, elle était prête, l'espèce de petite pute. On entend principalement le ventilo de ta PS4. Bah ça j'y peux rien. Hein. Je suis niveau 34, je l'ai, moi je l'ai débloqué à vie.
Oh, en passant mon prestige. Alors attends, je vais débloquer la Thompson là. Parce que la Thompson elle est monstrueuse, gros, c'est un film de cul. Camouflage dessus, j'en ai pas, donc je vais juste mettre un porte. Hein. J'ai pas de pâture, j'ai pas d'option de prestige. Après j'ai plus rien pour le ventilateur de la PS4. Et là on l'entend pratiquement plus, hein, le ventilo. Hein. Là vous m'arnaquez mais on l'entend pas dans le ventilo. Hein. Il est silencieux là. Hein. Parce que là, je vais pas jouer au pont, je vais jouer un peu à la Thompson. Hein. Alors gros, faudra que tu marques en marque de clan PRKT. Enfin PRTK, plutôt. Protec. On doutait qu'il y en avait un là. Là ça va. Il y a la musique qui me regarde, même j'enlève la musique. Hein. Il s'entend très doucement. Mec, commence pas à crier par contre. Non mais c'est pour Chris, ça sert à rien de venir, tu peux partir. Quoi? Si ils t'entendent, mais même moi, même si ils t'entendent pas, c'est moi, ça me casse les couilles. Ils ont pas besoin de t'entendre pour que ça me pète les couilles à moi. T'arrêtes de gueuler, c'est tout. Excuse-moi, je suis tout le temps en mode, oh non, il m'a tué. Non, alors ta gueule. Putain, même quand je m'énerve, je parle doucement, je sais pas. À un moment, faut arrêter de gueuler, quoi. Ça m'étonne pas que t'es niveau 34, hein. Mec. Ce jeu est tellement simple, t'es même pas prestige 1. Ça fait 3 mois et demi, j'ai pas joué, gros. Toi, t'es un trailer, toi, t'es rien du tout, t'sais pas jouer. Hop, merci pour le kill. Oh la Thompson, c'est juste un film de cul. Hein. Oh la Thompson, quand tu utilises bien, elle est violente. Hein. Elle tape fort, mais elle est violente. Merde, putain, j'étais en... Oh yes, division supérieure. Oh, oh mec. Pouh, triple kill. Ils étaient 4 au début, hein, mais il y en a un qui est mort malheureusement. Ah, je vous ai dit, la Thompson, elle kick fort, mais fou. Regarde ça, triple. Merde, c'est vrai, j'ai pas le rechargement rapide, moi je suis con. Une triple, hein. Je viens de faire 2 triples. On a vraiment la Thompson, elle kick quand même vachement fort, les gars. Il y a vraiment rien à dire. Après, c'est une super bonne arme dans le fait où niveau recul, certes, elle kick fort, mais il n'y a pas trop de recul, quoi. Je veux dire, ça reste jouable, quoi. T'es pas là en mode tu vises un gars puis après d'un coup tu vises le ciel, quoi.
Regardez, là je touche pas mon joystick et je tire avec. Il n'y a pas de recul. La Thompson n'a pas de recul. Regardez, je vise et je touche pas mes joysticks. Elle décale vite fait sur la gauche et elle monte un peu. Enfin, elle décale vite fait un peu sur la droite et elle monte. Et elle monte pas beaucoup. Arrête de rager gros, arrête, arrête. Bah regarde, moi aussi je suis en série, je viens de mourir bêtement. C'est bon, y'a rien. Mais y'a rien, c'est bon, arrête de rager là, c'est bon. Y'a pas de mes mecs. 25-9, je les ai roulés. 25-9. Et merci, hein. Regarde ça. Premier kill. Deuxième kill. Troisième kill. Je suis puissant, gros, je suis puissant. En 25-9, c'est un bon petit score. Ah, oh, maintenant c'est en 16-12. Re Thibaut, mais il s'appelle Cyril. Largage de ravitaillement. Allez go, on ouvre un largage de ravitaillement. Je ferme les yeux. Oh, j'ai eu un épique. J'ai eu quoi, 3, 2, 1? Ça pue. D'accord. Bah épique, c'est mieux. Renolan. Ah, Nolan. En fait, Nolan, c'est moi. Quoi? Ouais, figurine pop. Ah, je l'ai aussi. Quoi? Bah non, c'est ce que je l'ai aussi. Je l'ai acheté il y a 2 semaines. 39,80€. Et je l'ai acheté à Auchan. Bah, je me suis fait enculer. Casse-toi, putain, gros. Mec, tu casses les couilles. J'ai jeté une... Mais mec, vous êtes long à comprendre un peu, XD. Ah, parce que t'es une meuf. Ah, merde. Double kill que je vole encore une fois. À qui, je sais pas, mais je le... En fait, faut pas que je vise, faudrait que je tire un peu au jugé, moi. Tout le temps, je prends le temps de viser, et... non? Oui, ta gueule, me donne pas des conseils quand tu fais des scores comme tu fais, hein. T'es en série de quoi, 3? Moi je suis à 2 kills. Je suis peut-être qu'à 2 kills, gros. Mais moi je suis à 2 beaux kills, tu vois. Mais. Gros, moi ça va me faire carry là. Ah bah regarde ma connexion, gros. Le gars, je lui ai mis 10 balles, il est pas mort.
Regarde ma connexion, gros. Alors, regarde ma connexion aussi, là, ça compte pas, tu vois, j'ai une connexion qui fait la merde. C'est injouable, gros. Ma connexion, c'est injouable. En plus, j'aime pas Point du Hoc. Gros, regarde ma connexion. Non, mais regarde ma connexion, gros. J'ai démonté jusqu'à 400 ping. Putain, j'arrive encore à mettre des turns qu'on me les vole. En plus, putain, je mets un turn et on me vole le turn. De quoi? Quoi, je t'ai encore voulu un kill, c'est ça? Tu as pleuré pour un kill? Attends, une balle perdue. Ah ouais, carrément, toi, tu prends des balles perdues. Oh! Mec, je viens de mettre un sale turn. Je viens de mettre un sale turn de gars, arrivé, je vais boire, brrr. Tu as joué sniper, gros, tu vas encore plus te faire péter le cul. T'as le car 98 au moins, j'espère. Mais dis, le car 98, tu l'as au moins, j'espère. Bah, heureusement, parce que tu l'aurais pas. Tu l'as pas. K98K, c'est ça le nom. C'est pas sniper basique, celui-là, tu le débloques longtemps après. Sniper basique, c'est le Lee Enfield. Trou du cul, va. Qui a pas marché. Tes balles marchent? Tes balles, elles viennent d'Harry Potter, frère. Mec, je suis en train de les violer là par contre. Je fais mon comeback. Tu vois, il y a des artistes qui font leur comeback. Moi, mon comeback, je le fais sur Call of Duty. Allez, faut que j'arrive à avoir mon truc là juste avant. Oh gros, j'ai de l'artillerie et tout. Je m'en bats les couilles, je m'auto-tue, mais c'est pas grave. Victoire. 14-10 avec une barre de connexion. Regarde-moi ça, ce jump shot. Le gars, il est bon. Il est bon, il est bon. Bienvenue en petite section, 8 filles. Pourquoi tu parles, Cyril? 14-10 en ayant une connexion qui n'est plus la merde. Pas la manette SBC, il a fait 11-11. Tu t'es fait baiser. Ouais, t'as quand même fait 1400 points, quoi. Tu dois te sentir fort. Où j'ai débloqué les balles blindées. Attends, c'est lequel truc qui permet de recharger plus vite? C'est genre un truc style malaise. Sprintez plus vite et ne subissez aucun dégât. Chute furtive, déplacez-vous silencieusement. Tire en sprintant. Mec, tu casses les couilles. Tu vois là, tu casses les couilles. Mec, mais... Ah.
Putain, là, l'infirmière, elle m'a fait une piqûre là pour ma jambe. Putain, elle m'a fait genre super mal. De quoi? Je suis dans le chargement là. Mais reste dans le truc là, voilà. Reste ça, hein, juste 2 secondes. Parce que faut que j'arrive à trouver le truc qui est comme un lest, tu sais, qui permet de recharger genre grave vite. J'arrive pas à le trouver. Rechargement plus vite en sprintant, voilà, hyperactif, il est là. Merci. Wesh. Attends, moi je vais aller chercher moi. Attends, je vais juste prendre ma seule. Tac, et je vais aller me prendre un truc dans le quartier maître et j'arrive. Hop, contrat. Est-ce qu'il y a des trucs bons à prendre? Ravitaille horreur. Faire 60 éliminations en mode domination. 55 kills en match à mort par équipe. Largage de ravitaillement. 450, vas-y, je l'achète. Vas-y, c'est bon, je suis là, tu veux faire quoi? T'es où? Attends, mais t'es où? Ma messe. La putain de ta mère, t'es où? Et bah t'es où? Que je te rejoins. Putain, mais dis pas, tu fais le vieux glitch de merde là. Au théâtre. Là-bas, putain, mais. Oh. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Non, je sais pas vraiment où est-ce qu'il faut sauter en fait, je connais pas le glitch, je l'ai jamais vu. T'as il saute où lui? Mais comment tu fais pour aller là? En fait, tu te mets genre bien au bord là. Attends, merde. Voilà, tu te mets bien au bord là. Tu cours et tu sautes. Non, je n'arrive pas gros. Je comprends pas où est-ce que tu dois atterrir en fait. Ça sur le bord, mais j'arrive pas, oui. Je me mets ici là et je saute. Je dois sprinter. Mais putain, je sprint. Je me mets là, je suis bien là. Merde, j'avais réussi. Mec, bouge s'il te plaît parce que tu me gênes. Et tu me gênes, putain, casse-toi! Easy peasy! Ouais, j'ai réussi, je suis là. Coucou. Attends, je peux passer par là ou pas? Putain, je vais tomber là. Comment bloquer quelqu'un en étant un fils de pute? Je rigole. Bon, le temps que t'as réussi, moi je vais faire une classe. Alors aujourd'hui, nous observons les fails de Madness Beast. Donc voilà, on va se mettre là pour pouvoir contempler la chose. Alors quand c'est pas moi qui... Quand c'est toi qui arrive, j'y arrive pas. Et quand c'est moi qui arrive pas.
Et salut les amis, c'est Nazix, aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation avec Madness Beast. Fallait que tu fasses ce coucou, mais j'y reste, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on va sucer... Quoi? Ah mais t'es là? J'en ai pas. Mais pourquoi t'es redescendu, putain? Je pouvais le faire sans que tu viennes. Mais casse-toi, tu me gênes. Casse-toi. Je vais baiser ta mère. Espèce de trou de balle, pourquoi t'es descendu, putain? Fallait pas. Tu as regaléré à monter, on va reperdre du temps, donc moi je vais resauter comme une merde. En fait, j'ai compris comment faut faire. En fait, faut viser là. Madness, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi, je sais comment on fait. Putain, arrête de péter les couilles. Je sais comment on fait, putain, mais t'es là, tu me gênes. Quand on m'a dit que j'étais un alpha, on mentait pas, hein. J'ai fait fermer sa gueule en 5 minutes. Bref, vas-y, t'oublies, je pue la merde. T'as galéré 15 000 fois juste avant, donc fais pas genre. Hein. Ça te dit pas de lancer. Lance du MME. Hein. T'es souhait. Non, moi je suis sur Call of. Oh oui, Shippen. Moi aussi, c'est ma préférée. Je viens de voir une photo disant les yeux reflètent souvent la personnalité. Vu que j'ai des yeux bleus et beaux, ça veut dire que ma personnalité est belle. Mais pas ma tête. C'est trop bien. Ça veut donc dire que les yeux à Cyril sont super moches. Parce que Cyril, c'est le plus gros des fils de pute de la Terre. D'accord, ouais, le gars, il me... Ouais. On a des tryhards de level 15 en face de nous. Fusil à pompe, cartouche incendiaire. C'est pas drôle sinon. Ah oui, d'accord, c'est vraiment des fils de pute de level 4. Level 4 étant le plus haut niveau de fils de puterie atteinte sur Terre. Même Adolf Hitler était que niveau 2. Enfin, c'est cool, heureusement qu'ils m'ont tué, j'avais plus de balles. Hein? Le gars il est en train de jeter une grenade et il a réussi à tirer en jetant sa grenade. Rage pas par contre, commence pas à rager gros, parce que je te jure je vais quitter. Je vais quitter la partie de chat et je vais plus jamais jouer avec toi sur Call of. T'es sûr? T'es sûr de ce que tu veux dire? Moi tu me dis pas ta gueule, moi tu me respectes. Je suis pas ta mère, moi tu me respectes. Moi j'ai pas une gueule de cochon, non je rigole.
T'as une tête de cochon. Eh, hey, t'es quoi, t'es en série de 5, voilà, donc arrête de gueuler. Ensuite, hein, je les ai quand même ruinés. Hein. Et bleu, ça veut dire caractère comment? Je veux savoir, moi. Arrête, Nazik, s'il te plaît, XD. Nazik, s'autoclash. Non, mais il sait qu'il est moche, sinon il le dirait pas, lol. On vient de dire que je suis moche, je dois le prendre comment? Bon, après, c'est vrai que je suis moche, mais... Moi, j'ai les yeux bleus. Les yeux bleus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un gros beau gosse intersidéral. Manet, tu vas te faire ban. Fais attention, parce que je vais te ban. Oh oui, trop bien, il a quitté, yes. Il m'a cassé les couilles, je vous jure. Ah bah merde, il a rejoint. Quoi? Mais... Mais j'étais nul, en plus, t'es une merde. T'es une grosse merde. Il prend mal. Bah alors, on n'a pas de sens de l'humour. Attends, à moi que tu dis que je suis un rageux? T'as ragé les 3 games d'avant? Ah oui, t'es un rageux. Bah oui, tu fais que rager, à chaque fois que tu meurs, tu rages. Vous êtes amusé lors de la partie? Oui. Mais les yeux bleus, ça veut dire quoi, ouais? Allez, dites-moi la signification des yeux bleus. Faut casser les couilles à un moment. Je demande les yeux. Je vous demande, c'est quoi les yeux bleus? C'est pas compliqué. Les yeux bleus. Attends, si je fais ça, je fais ça. Je fais ça. Yeux bleus, yeux d'amoureux. Oh putain, mais ça, on me disait ça, j'étais en primaire. Après, c'est vrai que je suis à peu près amoureux de toutes les filles que je croise, mais ça, c'est parce que ça va, Manes Bast. Bast comme bastard, comme bâtard. Ça fait grave s'il a comme ça en mode haï. Haï. Bah allez, tu lances une game, bébé. Non, c'est toi le chef du groupe. C'est toi le chef du groupe en fait, gros. Comment ça, t'es sur un autre jeu? T'as quitté? T'es sérieux? Mais t'es la grosse. T'es la pire des putes.
Voilà, hop, 1 sur 2. Et maintenant, regarde ça. Est-ce que vous êtes prêts, gens? Regardez. C'est une boucle sans fin. Quoi? Genre on va lancer un peu de mêlée générale en hardcore. Alors, tu lis les messages? Oui, je lis les messages, je les lis juste pas à haute voix. Et là, Zix, tout à l'heure, j'ai pas dit que tu étais moche, mais pas moche. Ah. Impulsif, ça par contre, c'est vrai, je suis grave impulsif. Je suis un petit cœur fragile. Par contre, sensibilité, tristesse... Bof, gentil, je suis plus un bâtard qu'un mec gentil, donc bof. Oh. Ah oui, d'accord. Tu joues sur quel jeu là? Alors tu m'as dit que tu t'étais barré de Warlord 2 et t'es toujours sur Warlord 2. Tu me prends pas pour un con, un minimum. Oh bah là trop tard, hein, moi j'ai lancé une game. Ah t'as voulu faire le gars. Faut assumer maintenant. Ouais, sur 125 abos, seulement 4 me suivent. Sauf que les 4 qui me suivent, c'est les 4 meilleurs abos. Hop, petite tête. Je croise personne. Par contre, tu m'as fait genre super peur. Je suis jamais trouvé sur la qualité. Je sais toujours, moi je suis un connard. Alors moi je juge pas. Moi même, sinon tous les mecs sont des connards à vous entendre. Bah moi je suis vraiment un connard. Genre ouais, je suis gentil avec les gens que j'aime bien, mais genre si j'aime vraiment pas quelqu'un, je vais tout faire pour lui pourrir la vie. Mais de la plus horrible des façons. Hein. Méchant. Ah d'accord, c'est super sympa ça. Hein. On fond l'amitié là. Hein. Je l'ai touché avec ma grenade. Genre ma grenade, elle l'a touché, elle lui a mis un coup et tout. Hop. Après, chiant, ça je le sais, hein. Je suis chiant partout, je suis en cours, je suis chiant chez moi, tout le monde me trouve chiant, mon meilleur pote me trouve genre extrêmement casse-couille. Ah, mais moi, c'est pas comme vous, moi, c'est un autre niveau, vous pouvez pas comprendre. Quand je dis je vais vraiment tout faire pour lui pourrir la vie, c'est genre limite la personne, je pourrais l'amener au suicide, je m'en bats les couilles. Genre, je lui pourris sa vie, vraiment. Genre, je peux vraiment aller loin. Bah, je suis déjà allé très loin quand même. Hein. Là où je suis allé le plus loin, le gars, je lui ai quand même tellement pété la gueule que je lui ai pété le nez à 3 endroits différents. Donc, je suis allé un peu loin quoi. Putain, c'était un ennemi quoi, il était allongé.
Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas d'abonnés? T'as pas de chaîne? T'as pas d'amis? Je sais pas quoi. Vas-y, c'est des gentils. Sujet. Ah, je suis déjà 14 kills. Et le pompe en hardcore, c'est vraiment. Ça devrait interdire. Hein. C'est vraiment un film de cul, quoi. Le seul truc, c'est qu'il est souvent sur les nerfs et un peu vulgaire, hein, vulgaire. Moi, je suis vulgaire. Mais putain, vas-y, si moi, je suis vulgaire, mais la tête de ma mère, que le chameau de la grand-mère, de sa grand-mère, qu'elle crève sa mère, je suis pas vulgaire, moi. C'est le gars qui se fout de sa gueule. Non, je rigole, je suis super vulgaire quand je suis énervé. Enfin, même quand je ne suis pas en pied, au plus, je suis tout le temps vulgaire. Il n'y a que devant mes parents où je parle à peu près bien. Je crois le seul truc que je... Je me mets des limites avec mon père, tu vois, genre je sais que mon père il s'en fout, mais genre, tu vois, devant mon père, je vais pas aller dire nique ta mère, devant mon père, je vais dire va te faire foutre, tu vois, par exemple. Ça, je sais que c'est la limite, tu vois. Je vais jamais dire quelque chose de plus grave que ça. Moi, il m'insulte jamais, presque. T'es un fils de pute, Cyril. Voilà. C'était gratuit, hein. Ouais. Quoi? Mais en fait, je fais pas de bruit avec mon micro. C'est le ventilo de ma play. Non, c'est juste que en fait, mon micro est sensible, ce qui fait qu'il prend beaucoup les bruits et tout ça qu'il y a autour. De toute façon, bientôt, je vais m'acheter le beurre du M1. Je vais m'acheter le beurre du M1, là, pour les vidéos et tout ça. Non, vraiment, je vais vraiment acheter le beurre du M1. J'ai vraiment envie de l'acheter. Il est vraiment bien comme micro. Il est pas cher, en plus. Ninja sur Black sur World War 2. T'es pas un peu con? Ah, t'es parti sur Fortnite. Tu m'as appelé? Tu m'as appelé? Ah, j'ai cru. Non, j'ai cru que tu m'avais dit si tu veux venir m'enregistrer maintenant. Bon, attends, je vais laisser ma porte ouverte comme ça, je t'entendrai. À la rue. Putain, j'ai vraiment mal à ma cuisse là. Il insulte tout le monde. Bah ouais, c'est normal, hein, faut pas te faire discrimination. Chacun a le droit un petit peu. Moi, je fais pas de la discrimination. F-
Fais-toi un massage, lol. J'ai personne pour me faire de massage, moi. Je peux juste me faire de l'acupuncture tout seul. Enfin, me craquer le dos, les doigts. Un peu tout partout, le corps. Surtout le dos, genre comme ça. Ah, je sais pas si ça s'est entendu, mais ça a bien craqué. Ça fait un beau tic. Ah bah ce sera le même pire avec toi. Ma grand-mère la chauve qui fait du jet ski, waouh, quelle insulte de qualité. Enfin, j'ai envie de dire, là l'âge mental il est de au moins 60 ans. Voilà, l'âge mental, on le. Fou, on se sent bien. Ta mère, j'étais deuxième, je savais même pas combien. Ouah, 32 morts! Je suis mort genre plein de fois. Ah, c'est Cerise qui a marqué ça! Mais non, Cerise, je pensais que c'était Cyril qui avait marqué ça, c'est pour ça. Désolé. Et à chaque fois, je suis dans le top 3. Hein. C'est rare que je fasse des games où je sois ni dans le top 3 ni dans le top 2. Enfin, ni dans, enfin, dans le top 3, quoi. Alors, là, faut que j'en fasse 50. Après, c'est 75. Après, c'est 100. Et après, c'est l'heure bientôt, quoi. Non, je préfère baiser ta grand-mère, Cyril. Elle est un peu plus juteuse. Ah, certes, un peu plus vieille, mais plus juteuse. C'est si bon. Je peux pas savoir. La violence. Oh non, quarantaine pour le pompe, ça va être genre tellement jouable. Alors attendez, Calisto il m'avait envoyé un message, je l'ai même pas regardé. Je vais aller le lire. Tu vas avoir un petit frère, Nizix. Non, je peux pas avoir de petit frère. Enfin, surtout pas avec ta petite queue, je risque d'en avoir un. Merde.
Je pensais pas qu'il m'avait vu. Ah, je l'ai raté. Non, c'est bon, je l'ai mis pile dans l'encadrement du mur, mais bon, le gars il était déjà parti. M'en doute et ok, je sais où est-ce qu'il est. Je suis dommage pour lui, mais il va se faire bien péter le cul. Moi je vais arrêter la record après les gars. On va aller en mode normal hein, comme on fait. Le pompe je continuerai à le monter plus tard dans la soirée. Hop. Une balle. Une balle. C'est quoi, on va carrément rentrer dans le cadavre du gars. Mettons-nous dans la peau d'un campeur. Après, je vais me décaler comme ça, je peux tourner un peu plus. Regardez comment je tire vite. Hein. Enfin, c'est juste... So awesome. C'est moi ou il s'est auto-tué avec sa putain de grenade? Putain, il s'est auto-tué avec sa grenade. Il est con. Là il est en feu. Je crois que le monsieur il est un petit peu en feu. Pas sûr mais... Regardez, on va faire quoi? Oh. Tac, on va se mettre ici. Comme ça je pourrais lire vos commentaires vite fait. Ok. Alors, par contre, le micro, faut acheter les accessoires, ça fait plus cher. Ouais, mais pas forcément, parce qu'avec le bureau que j'ai pas forcément d'avoir de filtre anti-pop, parce que je suis assez loin. Donc, pour les pop-pop, ce sera pas gênant. Et pour la branche, et ben, je suis pas forcément obligé. Après, vous savez quoi, on va voir les prix, parce qu'il me semble que j'avais vu pour 80€, exactement le même prix, la perche et tout. Donc, attends, on va faire Amazon. Si je le prends, c'est sur Amazon, bien évidemment. Site officiel. Lien des articles que vous avez regardé. Il n'y a que des PC gamers. Voilà, je sais pas, j'avais envie de tirer. Donc, tac, on va faire ça. On va mettre... Beurre du M1. Ça charge, hein, ça met du temps, la connexion, tout ça, ça. Ouais, c'était beau, toi. Waouh! Waouh! Voilà, beurre du M1, microphone noir, 59€. Le Manway MU7, micro pivotant, filtre anti-pop, 3,24€. Et la perche Fox Novo radio diffusion durable studio microphone micro suspension ciseaux bras perche noir 14€. Je
peux l'avoir encore plus cher pour 53 euros. Je peux l'avoir encore plus cher pour 5, pour 48 euros. Ou alors je peux l'avoir en blanc. Beard EM2, microphone de studio, condensateur blanc pour 53 euros. Moi, je vais prendre le Beard UM1. Le EM2, il est bien aussi, mais le UM1, je le préfère. Ça fait qu'en tout, imaginons que je prends... On va se mettre là. Imaginons que je prends ce Beard UM1, plus la perche, plus le truc, j'en ai pour 77,23 €. Et franchement, t'entends super bien, je sais pas pourquoi tu veux changer pour ce prix, il vaut mieux un autre investissement. On m'entend super bien, mais le problème, c'est que les micro-casques, la durabilité est pas super super bonne. Et le problème, c'est que ce casque-là, moi j'entends pratiquement plus rien avec. Ce qui fait qu'il va falloir que je le change. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que vu que... j'ai la flemme de vraiment changer, je vais le garder, mais plus en tant que micro, juste je vais acheter un autre micro normal, et celui-là je vais juste le garder en mode pour parler, parce que là dis-toi, je suis obligé de vraiment le coller à ma bouche hein. Là il est collé à ma bouche et je parle vraiment fort, enfin tu vois on entend presque plus rien avec, genre quand je parle quoi. Et dis-toi, le Beard UM1 avec, on n'entendra plus le putain de bruit de ma play. En tout cas, on l'entendra beaucoup moins. Hein? Il m'a tiré dessus à travers le mur? Attends, il y en avait un qui campait là tout à l'heure. D'accord, je sais où est-ce qu'il est. Ouais, oh, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Moi, je fais un score de merde, au pire, je peux quitter, je m'en bats les couilles. Bon, alors, après, ce que je peux faire... c'est acheter un bon petit micro Razer Seiren Elite Studio Multipattern numérique USB avec microphone numérique et amplificateur de casque pour 209 €. Là, c'est gâcher de l'argent. Or, si je prends un Beard UM1 à 80 €, là, c'est pas une perte d'argent. Et après, je peux carrément avoir mieux, mais je peux avoir mieux. Pour 42 €. 42 €, je peux avoir un micro, un casque, une mallette de transport et encore des accessoires pour 42 €. Sauf que le truc il est tellement cheap que je crois qu'il tire pas quoi. Enfin... D'ailleurs, faut que je voie pour m'acheter une chaise, moi. Faut jouer pour m'acheter une chaise avec mon. J'aime même ce que je marque chaise. Vous voulez vous dire chaise, mais je viens d'exactement l'écrire pareil. Ils ont pas de chaise sur Amazon. Attends, on va marquer chaise gaming. D'accord, donc avec gamer ça fonctionne pas, avec gaming ça fonctionne. Maintenant on va mettre du prix le plus bas au plus haut. Donc on va faire comment je peux faire pour faire du plus bas au plus haut? Enfin, genre plus bas prix ou plus haut prix. S'il y a un truc normalement où je peux choisir les ordres. Bon, je sais pas. Je peux aller sur des sites de musique à des micros de bonne qualité pas cher. Ouais mais après je préfère rester sur des valeurs sûres, des trucs que je connais bien, comme le Beard UM1, je le connais super bien, je sais que c'est une valeur super sûre quoi. Sur Amazon je trouve pas, bah tu sais quoi, je vais essayer de regarder pour une chaise. Gamer, donc c'est des chaises genre super confortables et tout, mais d'occasion, genre sur le bon coin. Ce sera toujours moins cher que du neuf. Tu vas faire un setup gaming d'une couleur spécifique dans le futur? Ouais, couleur rouge. Rouge, enfin, soit couleur rouge, soit couleur verte, je sais pas encore. Parce que
J'aimerais bien un setup genre avec des LED rouges et tout ça parce que ça rend bien, mais il y en a beaucoup qui en ont, alors qu'un setup vert, il n'y en a pas beaucoup qui en ont et ça rend super bien. Donc je sais pas encore, vert ou rouge. Hop, je vais choisir ma région. Que cherchez-vous? On va marquer chaise gamer. Moi je suis désolé, vous pouvez pas voir l'écran de PC, mais je fais des recherches. Putain, tu sais que j'hésite entre ces deux couleurs en plus. Chaise gamer 120 €. C'est quoi cette chaise? Mais c'est quoi ça? 20 chaises neuves pour jouer, écouter de la musique adaptable sur plusieurs appareils, fonctionne très bien, plus le temps de jouer. Bébé venu au monde, donc plus d'utilité de cette très bonne chaise. Bonne assise, confortable, prix 970 €, contact par message s'il vous plaît. Mais c'est la pire chaise du monde. C'est la pire chaise gamer du monde. Par contre, pourquoi il n'y a pas de... Enfin, je marque chaise gamer. Chaise gamer, il me met quoi? L'eau de cendrier quand même. Hein. Ah, l'eau de cendrier. Chaise gamer. On va marquer juste chaise. Non, je vais marquer... chaise de bureau. Parce que vu que je suis dans le nord, les gens ils vont pas forcément marquer gaming. Parce que c'est des beaufs. Donc ce sera sûrement chaise de bureau alors que la chaise c'est le putain d'Elixir. Est-ce qu'il faut vraiment que je trouve une chaise? Bah, oh, une chaise pas trop chère. Chaise de bureau, voilà, il y en a 38. 5 €. 5 € la chaise de bureau, je suis pas contre. Faut une bonne chaise, tu vois. Une belle chaise, confortable. Chaise de bureau sur Amazon. Non. Je veux une bonne chaise. Le problème, c'est que niveau chaise, j'en ai pas beaucoup. Genre, moi, j'aimerais bien trouver une Dextresseur ou quoi, mais genre à un prix abordable, quoi. Bureau plus chaise. Non, j'ai pas besoin du bureau. Moi, j'ai besoin que de ta chaise. Attendez, le premier, il y a marqué 5 €. Imagine, la chaise vaut vraiment 5 €. Je vais la chercher demain. Ardre, dans le Pas-de-Calais. C'est loin de chez moi, ça? Est-ce que c'est loin de chez moi? Chaise de bureau, pardon. Encore en bon état. Elle vaut vraiment 5 €? Attends, m'envoie un message. Clique sur mon lien MDR. Ok, tac. Fauteuil type gaming, état impeccable. Du bureau ou de jeu type gamer. Gaming pour les joueurs, il est neuf. Vente cause pas d'utilité. On peut régler la hauteur, l'assise et les accoutoirs. Les deux cale-têtes et deux se règlent. Très confortable, il roule bien. Belle couleur rouge et couture bien finie. Il manque une fixation pour un cache qui ne gêne à rien l'aspect ou l'utilisation. Prix neuf autour de 160 €, vendu 85. À venir voir à la chapelle sur Erdre à 10 minutes de Nantes. Mais c'est super loin de chez moi. C'est super loin de chez moi, Nantes. T'es ouf ou quoi? Ah. Nantes, mais c'est des heures et des heures de chez moi, ça. Attends, Nantes, c'est ici. C'est dans le sud de la France, ça, Nantes. Bah ouais, c'est dans le sud, c'est du côté de chez toi, ça. Moi, j'habite dans le nord. T'as les ouf, elle. Mais c'est super loin de chez moi. Là, il y a Nantes et moi, j'habite... 6 heures de route de chez moi. Je peux pas faire 6 heures de route pour aller... J'en sais rien, moi, je suis super nul en géo. Bah, le Nord-Pas-de-Calais. Elle est belle, mais... C'est qu'elle est loin, là, quand même. Putain. Attends, tu sais quoi? Je vais aller voir sur eBay. Parce que eBay, c'est que c'est un peu moins connu, mais c'est moins cher. Parce que sur eBay, c'est moins casse-couille, genre c'est du neuf.
Sauf que souvent c'est du chinois, de la contrefaçon de merde, mais. Il y a des contrefaçons qui sont quand même pas mal hein, à prendre, on va pas se le cacher. Il y a des contrefaçons. Elles sont pas mal hein. Donc on va faire rechercher sur eBay chaise gamer. €125, 125 €, 130, 100. Attends. Je peux faire voilà. Trier par pertinence. Les plus chers. Prix les moins chers au plus cher, voilà. Donc du moins cher au plus cher. Maintenant, faut attendre que ça charge. Si je peux en trouver pour 50 €, moi ça me va. Hein. Même si c'est pas une belle DX Racer. Au pire, tu attends d'être un peu plus connu pour avoir des sponsors. En attendant, tu prends une correcte, mais sans plus. Bah ouais, mais le truc, c'est faut la trouver la correcte, quoi. C'est ça le truc, c'est que la correcte, faut la trouver, quoi. Parce qu'il faut que ce soit la taille de mon bureau, faut que ce soit confortable parce que j'ai hyper mal au dos. J'ai très très mal au dos, donc. Enfin, très vite mal au dos, je veux dire en juin. Je suis obligé de mettre des coussins et tout dans mon dos. Alors, si je pourrais avoir une chaise quand même un minimum confortable, moi je veux dire, je veux bien quoi. D'accord, alors sur eBay, ça pue la merde. Genre. Tu sais quoi, je vais aller voir sur IKEA. Et je vais aller voir à Ikea, ils ont quoi comme comme chaise. Hein. Je prends une vieille chaise Ikea comme j'ai fait, mais une bonne chaise quoi. Ikea, chambre, meuble, canapé, lit, cuisine, séjour, décoration. Circuit Japon sur mesure. MDR. Va dans un truc de vente scolaire. De vente scolaire. De... T'as cru que j'allais prendre une chaise de cours ou quoi? Je passe déjà trop de temps dessus. La IKEA. Rechercher. Chaise de bureau. Il y a des bonnes chaises. Après c'est quoi ton budget? Bah j'ai pas de budget, c'est si mon père il veut bien me l'acheter ou pas en fait. Pour ça faut le moins cher possible. Faut avoir toutes les chances. Chaise de bureau chez IKEA et ça charge. Ça charge. Ouais. Oh, il y a des chaises qui sont pas mal. Ouh. Qu'est-ce que c'est? 85 €. C'est plus cher qu'une X-Racer. Alors que c'est 4 milliards de fois moins bien. IKEA. 185 €. Non mais une chaise pour étudier, t'as jamais vu la mienne? Mais non mais moi c'est pas pour étudier, moi c'est pour jouer. Moi je joue, je m'en bats les couilles d'étudier, j'étudie pas. Je veux jouer moi. La reine Berguette. Chaise qui a l'air de faire super mal au cul. De chez IKEA. Rembourrage exceptionnel, hein, tu vas t'asseoir 3 fois dessus, après tu auras déjà mal au cul. Vas-y, bah donne-moi le site de vente scolaire et je vais aller voir. Il y a peut-être des trucs qui me plaisent, hein, mais ça m'étonnerait. Au pire, c'est quoi? Je vais marquer chaise gamer. Chaise gamer, pas cher, sur Google, et on va voir. 4 000 €, chaise gamer pas chère, 4 000 €. Mais je viens de choquer, je marque chaise gamer pas chère et d'un coup je vois quoi? Tu sais, dans acheter des chaises gamer pas chères, tu sais, t'as des petits trucs avec. Non, mais je sais que c'est pour jouer XD, mais ça se rapproche d'une chaise gaming en étant pour les cours, du coup ça passerait peut-être auprès de ton père. Mais mon père en fait s'en fout que ce soit genre gaming ou quoi, lui mon père c'est juste le prix en fait qui peut stopper en fait. Daron, lui, s'en fout que ce soit une chaise pour jouer ou pour étudier ou. C'est juste le prix. Je veux dire, mon père, il va pas mettre 180 balles dans une chaise gamer, quoi.
On va pas mettre 180 balles dans une chaise tout court. bureau valet, ouais, il doit avoir un chez moi, bureau valet. Bureau valet, tac. Matériel de bureau fourni. Matériel bureau valet, fourniture de bureau, papeterie, cartouche d'encre. Chercher, moi je vais marquer notre magasin de retrait. Non, ça je m'en fous. Je vais faire chaise. Alors, chaise et tabouret, voir toute la gamme. Chaise de bureau, chaise gamer. Ils ont des chaises gamer. Je marque chaise et ça marque chaise gamer. Genre, bureau valet, ils ont des chaises gamer. Genre, vous là, bureau valet, vous avez des chaises gamer. Bureau valet, des chaises gamer. D'accord. L'arnaque. Après, l'état à 150, je crois, mais il y en a des moins chers. Après, je sais pas la qualité. Ah, mais moi, si je peux mettre 50 euros dans une chaise, moi, c'est bon, hein. 240 euros, 200 euros, mais c'est plus cher qu'une. C'est plus cher qu'une vraie chaise gamer, alors que c'est une chaise de bureau. Tu sais quoi, nique ta mère, bureau valet. Ah. Tu sais quoi, je marquais chaise gamer pas cher. Après, je sais que Klim a sorti une chaise gamer. Klim. Étant testeur Klim, j'ai moins 60%. Enfin, jusqu'à moins 60% sur des articles. Donc, comment dire qu'on peut toujours profiter. Voilà, tu vois, Klim, 16 gamer, très haute qualité, nouveau. Finition soignée, 349 euros. 60% de réduction, ça fait dans les 140 euros. Ça fait quand même mal au cul, en fait. Je viens de repenser à 140 euros. 85 euros. Et WMH, Racing, chaise de gamer, gaming, siège, baquet, sport, fauteuil ergonomique, professionnel, hauteur réglable, haute, doucier, en simili cuir, plus confortable pour PC gamer, ordinaire, ordinateur rouge. Bon, celle de Klim, elle coûte quand même 345, hein, ça fait mal. Celle-là, elle a 85 euros. Et là où elle est le moins chère, c'est en noir. Sauf que moi, je vais prendre en rouge, bien évidemment, en rouge. Donc, fais voir un peu à quoi ça ressemble, tout ça. Tu simili cuir, quoi, y'a rien de. Alors, 54 x 47 cm avec l'épaisseur de 8 cm qui est difficile à déformer, ergonomique et confortable. Réglage du ciel. Permet d'ajuster une hauteur spécifique sur demande grâce au levage pneumatique. Hauteur totale entre 115 et 122 cm. Donc, entre 1m15 et 1m22. Mon bureau, il me semble qu'il a 78 cm, tout pile, parce que je l'avais mesuré. Permet d'ajouter une hauteur spécifique sur demande. Voilà. Hauteur d'assise au sol est 45-52 cm. Pour personne forte, éponge AP plus large d'assise adaptée. Bon, d'accord. 85 euros. Est-ce qu'il n'y en aurait pas des mieux pour moins cher? Voilà, il y en a une encore moins chère en rouge et noir. En rouge et noir, j'écrirai ma. Pardon. En rouge et noir pour 77 euros. C'est encore moins cher. Encore moins cher. Je peux encore l'avoir encore moins cher pour 75 euros, mais en noir. Chez Baquet Sport, c'est exactement la même, sauf que lieu que les contours soient rouges et le milieu est noir, là c'est le milieu qui est rouge et les contours qui sont noirs. Juste pour ça, c'est moins cher. Alors c'est la même chaise, c'est la même marque, c'est le même site. L'arnaque. C'est exactement la même. C'est juste que c'est les contours qui sont noirs au lieu qui sont rouges. Ce qui fait qu'en vrai ça change rien, ça reste quand même du rouge. Moi je veux bien, hein. C'est sûrement un fauteuil sur lequel vous allez normalement passer beaucoup de temps pendant qu'on joue. On joue les jeux dans maison ou travail au bureau pour des raisons de santé et pour du confort. Alors, pour éviter les soucis de dos et être au top du confort, il vaut mieux
avoir une bonne chaise de gaming, ce fauteuil de gamer avec 16 baquets sport est justement conçu pour passer des heures d'assises dessus. Ah non, ça c'est la description du produit, j'allais me dire. Moi je veux ce que les gens ils ont dit. Alors, peut-on se balancer avec le siège ou il est fixe? On peut se balancer et le fixer au choix. Vous pensez qu'en faisant 1m95, ma tête va être sur la tête? Non, trop bas. Bonjour, je suis 1m80. Pensez-vous que je puisse reposer ma tête sur la tête ou la chaise est trop petite? Quelle est la taille max à avoir? Mon fils d'1m76 y est à l'aise. Le souci est pour les plus petits dont le haut du crâne repose dans le trou. Donc ça c'est pas mal. Bonjour, est-ce que des accoudoirs sont en acier? Les accoudoirs sont en plastique ou en métal? Ah, c'est du faux métal. Après ça va, les choses sont assez enfin les gens ils disent oui, duo en a une, elle est trop bien. Duo, je vais aller voir. Je vais juste regarder un peu plus d'avis. Elle a énormément de bonnes étoiles. Elle a 51% de 5 étoiles, 4% de 22 étoiles. 22% de 4 étoiles, 3% de 14. Enfin, 14% de 3 étoiles, 7% de 2 étoiles et 6% de 1 étoile. Sur plus de 3600 personnes. Ça veut dire qu'elle est quand même bien, bien. Bien mise. Alors. Bon, alors. Combien de centimètres fait le siège en partant des rouges jusqu'aux accoudoirs pour voir s'il rentre en dessous de mon bureau, s'il vous plaît? Très légèrement moins de 70 cm. Moins 70 cm, ça veut dire que les accoudoirs ils arrivent là. Après, si je la monte au max, les accoudoirs ils pourront peut-être arriver ici. Donc après, elle est nickel la chaise en fait. Moins de 70 cm, ça fait ici quoi. Mon bureau il a 78. Ça fait là en fait. Mon bureau il est encore trop. Bouge absolument pas, c'est un petit défaut que je regrette car elle glisse trop facilement sur mon lino. Attends. Peut-on bloquer les roues? Ah. Est-ce normal qu'une des roulettes soit cassée après seulement 3 mois? J'en ai ma possession sur le matériel et je peux vous confier qu'il est au top. Assez superbe et qualité au rendez-vous, l'ensemble est correct et je le recommande. Ce problème des roulettes n'est pas connu à ce jour. Donc ça veut dire que c'est juste le gars qui a pété sa roulette comme un coup. Vous savez quoi, je vais mettre le truc en favori. Et on va pouvoir jouer. Ok, donc c'est intéressant à voir. C'est quand c'est élimination en match à mort par équipe. Là pour valeur même. Et pas mal. IWMH Racing Chess Gamer. Bah je réplique en parler à mon père. Je savais que tu aimais le vert, lol. Le vert est ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le violet. Ma deuxième couleur préférée c'est le vert. Et après j'aime beaucoup le rouge. Mais c'est pas vraiment une couleur préférée, c'est juste que le rouge, je trouve que c'est une couleur qui me reflète bien. Je sais pas pourquoi, je. Genre moi si on me demande c'est quoi la couleur qui devrait te refléter, moi je dirais bah le rouge. Et pourquoi je sais pas hein. C'est juste que je sais pas, le rouge je trouve c'est apaisant la couleur rouge. Je trouve la couleur apaisante. En même temps, après le rouge, c'est une couleur qui est assez, comment dire, basique, ce qui fait que t'en trouves partout. Double kill, triple kill, dès début de partie. Hein. Voilà, dès début de partie, 3 triple kill. À un moment, le niveau, tu l'as ou pas, quoi. Moi, c'est le gris, ensuite le vert et le rouge. Et le noir, trop beau aussi. Bah, le noir, après, ça reste une couleur qui est assez, comment dire, vide, entre guillemets. C'est-à-dire c'est une couleur voilà basique quoi, c'est une couleur primaire. Mais c'est beau,
Je ne dis pas le contraire. Après, je t'avoue, moi, le noir, c'est pas vraiment mon kiff-kiff, quoi. Je leur roule dessus, hein. Rouge apaisant exé, c'est un peu la couleur du sang quand même. Ben, c'est apaisant, je sais pas. Enfin, le rouge, moi je trouve ça apaisant. Après, la couleur de sang, imaginons notre sang il aurait été vert, on aurait dit quoi? Ouais, le vert c'est une couleur qui angoisse. Tu vois, je veux dire, c'est bête de. Parce que c'est la couleur du sang, forcément, c'est un peu bête comme réflexion quand on y pense bien. Je dis pas que ce que tu dis est bête, hein. Au contraire. Mais c'est ce que les gens disent, genre en mode ouais, le rouge, couleur du sang, donc forcément pas belle couleur ou les trucs comme ça. Moi je suis pas du tout d'accord avec eux, quoi. Pour l'avortement ou même les meubles, le noir c'est beau, je trouve. Moi c'est le blanc. J'aime tout ce qui est. Moi en fait j'aime beaucoup les couleurs qui sont vives, qui sont colorées, pigmentées, tu vois. Le rouge, le vert. Des couleurs pigmentées, quoi, tu vois, qui. Je sais pas, des belles couleurs. Pour ça, là, moi, mon mur, là, que j'ai en face de moi, de ma télé et de ma play, je voulais le peindre en violet, mais mon père, je crois pas qu'il soit trop d'accord. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il l'est. Oula. Mon vêtement, je sais que je mets beaucoup de. Bah, je mets beaucoup de vert, mon suite vert. J'ai un suite vert. Un beau suite vert comme ça, il est magnifique. Je mets énormément ce suite d'ailleurs, hein, je crois que je le mets genre. Oh oui! Type 38, Hydre. Il y a un gars qui l'a acheté. Voilà, première fois qu'on teste le Arisaka. Qui est le sniper que je kiffe. Enfin, l'Arisaka, je l'aime beaucoup parce que en fait, c'est un sniper que je connaissais d'avant dans les autres vidéos, en fait. J'ai même pas pu faire un kill avec. C'est quoi un suite? Suite en anglais? Un suite. S-W-E-A-T, un suite. Un pull, enfin un suite. Un suite à capuche. C'est comme un pull avec une capuche. C'est pas le même textile qu'un pull. Donc c'est pas comme un pull en fait, j'ai de la merde. C'est ce que toutes les meufs elles prennent à leur mec à chaque fois. Genre en mode ah mon mec il me l'a donné, c'est trop bien. Chaque fois ce sont là en mode vas-y, ça nous les piquer en plus, c'est salope. Bon, ça coûte cher un suite. 40 euros. Ouais, j'arrive. Bon les gars, je vais manger. Je reviens. Je vais manger les gars, je reviens. Bon, attendez les gens, je vais juste. Oh, c'est parce qu'on aime l'odeur, lol, qu'on prend les suites. Les gars, je vais juste faire un truc. Enfin, sorry, je vais juste faire un truc. C'est genre, je vais mettre. Je vais mettre pour que ma play elle se mette pas en veille en fait. Parce que ma play se met tout le temps. Ma play se met tout le temps en veille et je sais pas comment on fait. Mais je veux pas qu'elle se mette en veille. C'est gratuit ça. Périphérique. Bah attendez les gens.
Je vais manger, je coupe pas le live. A plus. Bon, ça va peut-être arrêter le live en fait.